Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 18h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclusive. Je suis très content de vous retrouver pour la découverte de Way of the Hunter. Le chemin du chasseur, les amis, un tout nouveau jeu développé par Nine Rocks Games et édité par THQ Nordic, que je remercie énormément. Voilà, THQ Nordic qui m'ont fait confiance pour cette découverte exclusive. Le jeu sera disponible sur toutes les plateformes, évidemment next-gen et sur PC. Ça sortira mardi 16 août, très bientôt. Vous l'aurez compris, un jeu de chasse qui se joue d'ailleurs en solo, mais aussi en multijoueur. Voilà, vous pourrez jouer avec vos amis. Alors de la chasse, c'est bien beau. Moi d'ailleurs, je suis pas du tout un connaisseur de la chasse, bien au contraire. Mais c'est surtout un très très beau open world, on va le voir. Voilà, il y a des paysages américains, européens également. On va pouvoir découvrir différentes espèces et potentiellement ça va nous initier finalement à la chasse éthique. Puisque du coup moi c'est vrai que j'ai des a priori sur la chasse, hein, très honnêtement. Et du coup ça va peut-être nous permettre de voir une autre facette finalement de cet univers. Et on va pouvoir aussi voir des changements d'écosystème, voilà. Puisque l'écosystème va réagir et s'adapter en fonction de nos actions. Donc les amis, sans plus tarder, parce que j'ai vraiment hâte, on est parti pour commencer la partie. Je compte sur vous pour bombarder la barre des likes, parce que c'est de l'exclu et ça fait plaisir. Et je remercie encore une fois THQ Nordic pour leur confiance. Bon visionnage à tous, bonne découverte. J'ai très très hâte. Elliot Little speaking. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Ellen was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. Yeah, you'd be surprised. But the demand is rising every day. And with the hoax about the disease spreading... What? I can't hear you. River, can you hear me better now? Yep, way better. The service in the valley is really bad, so I'll make it quick. I've sent you a package a day ago, but I'm not sure when it will arrive. Just make yourself at home and... maybe greet your old friend Echo. You know, it's been a while. Oh God, I forgot about her. How long has it been? 10 years. I hope you didn't forget the keys. Oh God, I did. What should I do? Don't worry. The spare is in the usual spot. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Tell them to be nice to me. I'm always a gentleman. And kiddo, or I guess I should start calling you River now. Welcome to the Nez Perce Valley. Aïe aïe aïe, c'est trop stylé! C'est trop stylé! L'introduction est déjà parfaite. Magnifique! Et bien voilà, on incarne... River, to the valley of River. Et on y... Oh, c'est beau. Ça y est, on peut jouer? Ah oui, on peut totalement jouer.
On y est. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, la montagne. Bon, bah, c'est les USA, hein, bien évidemment. Incroyable. Donc nous sommes arrivés voilà à cette espèce de chalet, donc le chalet du daron, hein, voilà. Comme vous l'aurez compris, le daron qui est un petit peu malade apparemment. Enfin un petit peu ou beaucoup, hein. Vous savez que j'aime bien atténuer toujours les trucs, mais on espère qu'il va bien. En tout cas avec les infirmières, ça fait plaisir. Alors voilà, on peut se déplacer, en savoir plus. Donc là je joue à la manette, hein, d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient, sachant que je suis plus trop joueur manette, mais je me suis dit voilà, ça peut être sympa de réessayer. Si jamais je galère, évidemment je peux switcher très rapidement au clavier souris. Mais voilà, ça me rappelle un peu à l'ancienne de jouer à la manette, donc j'aime vraiment pas mal. Instinct de chasseur. Ok, on peut avoir un instinct de chasseur. D'accord, bon bah ça, hey, c'est comme dans tous les jeux de chasse, j'ai envie de dire, à mon avis. On va pouvoir justement voir des traces de pas ou les choses comme ça. Maintenir pour les objectifs. Alors attends, tac. Ah, ouh. Là on a une petite carte. Plaine de l'ours. Voyage rapide. Là on est au ranch de l'ours. On a un véhicule. Et un point d'interrogation. On peut pas voir les objectifs. On a une encyclopédie. On a le personnage. Journal de chasse, il y a un système d'accord de talent. Ah j'adore, oui. Second souffle, temps de maintien du souffle augmenté de 25%, ouais ça va sniper les gars, ça va sniper. Et on a un mode photo. Et les paramètres, ça par contre j'ai déjà vu tout à l'heure, ok donc ça c'est cool. C'est plutôt pas mal, on peut. Attends, si j'ai bien compris, je vais éviter de me prendre tous les murs. On peut courir de cette façon, très bien. Oh c'est beau là, on peut faire un petit peu le tour du chalet, nouvelle mission ajoutée. Vous pouvez désormais suivre l'histoire de River Knox et de son grand-père. Sinon, vous pouvez faire le choix de chasser librement. Mais non, vous pourrez reprendre le cours du scénario à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est vraiment un open world. En vrai, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Bon, là, évidemment, c'est de la découverte. Donc on va suivre le scénario. Je vous laisse lire si vous voulez voir, mais je pense que c'est juste le petit didacticiel. Pour commencer, récupérer le double des clés dans la boîte aux lettres. Et oui, le daron, évidemment, puisque on a oublié nos clés. On est des idiots. Et oui, heureusement, le double des clés est toujours très mal caché. Personne ne peut s'en douter. Thank God we have a trustworthy mailman. Exactement. Passer la porte d'entrée du gîte. C'est parti, on va rentrer dans le gîte. J'adore. Allez, c'est parti. Bonjour. It's been a long time since I was here. Ça fait longtemps, et oui, ça fait longtemps. Même moi, je ne sais absolument pas à quoi ressemble. Mettons-nous au travail. Stocker et équiper des objets. Stocker des objets, le nombre d'objets que vous pouvez emporter à la chasse est limité. Très bien. Bon, si jamais j'ai besoin de conseils, je regarderai. On a un espace de stockage. Vieille carabine. Hein? Vieille carabine, qu'est-ce que je peux faire comme ça? Ah! D'accord, donc dans le coffre, il y a la carabine. Hop, je la prends. Et je peux même mettre, eh ben, la lunette, évidemment. Hein, sinon, comment on fait? Je peux aussi mettre ça, là? Ah non, c'est pour mettre le sniper en secondaire. Enfin, le fusil, pardon, c'est pas un sniper, excusez-moi. Je sens que le jargon de la chasse va me faire des histoires. Ok, donc là, on est bon. On a sommeil, on peut dormir. Ah, on peut choisir jusqu'à quand dormir. Véhicule, on peut choisir la voiture. C'est trop stylé, ça, on va partir sur un... On va partir sur la voiture jaune, hein, c'est quand même plus stylé. on a une boutique. Ok, donc on a 150 pièces en haut à droite. Et on peut acheter... Oh. Et oui, on peut upgrader clairement. Attendez, c'est pas tout parce qu'on a aussi des meilleures jumelles. Apo à Wapiti. Ah, c'est le clairon. C'est pour faire du bruit. Mais non. Ah ça, voilà, eh, ça me fait kiffer. On peut avoir des meilleurs viseurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Permis privé du bassin des chutes. Ah, est-ce que c'est pas pour avoir des permis de chasse? Avoir des zones de chasse, je pense. Hein. Alors, s'il y a des chasseurs, hein, vraiment dans les commentaires, je suis preneur de tous vos conseils et tout, clairement. Là, je peux dormir. Ça ne m'intéresse pas. Je peux utiliser l'ordinateur. Robert McKay. La maladie se répand. Une nouvelle personne a été hospitalisée dans des circonstances étranges après avoir consommé de la viande de sermulet. Faites passer le message pour sauver le monde. Merde. Je t'en prie, ne me dis pas que toi aussi tu es allé voir ce site web de théorie du complot. Cette maladie n'est même pas réelle, il n'y a aucune preuve médicale. Tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est rigolo ça. Il y a des preuves, le gouvernement a décidé de pas nous les montrer. Cet article ne cite aucune source, tu veux bien arrêter de répandre cette fausse rumeur. Ok, donc il y a une histoire de... On m'a dit que tu avais fini à l'hôpital, c'est à cause de la maladie, c'est ça? Tu dis que c'est ton corps, mais je n'en crois pas un mot. Et oui, donc en fait, notre daron... Ne parle pas à mon fils. Je pense que j'ai tout dit dans l'objet. Tu as anéanti ma femme...
avec ton loisir cruel et je ne veux pas que mon fils subisse le même sort. Sa vie et sa carrière sont à Los Angeles. Il vient t'aider uniquement par compassion et à cause de ton chantage émotionnel. N'essaie pas de lui retourner la tête avec tes histoires et je t'interdis de lui passer à l'avenir. Eh ben la maman, elle est pas très gentille, hein, si j'ai bien compris. Hein. On sait comment elle s'appelle ? On sait pas comment elle s'appelle. Bon, très bien. Bon, c'est un couple divorcé, hein, nos parents. Et le papa est bien passionné de chasse et ça se répercute sur nous et bah, c'est bien sympa. Attendez, j'explore un petit peu rapidement. Gestion des équipements. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour sélectionner une arme à feu, ok. Un équipement, jumelle. On va voir ça dans quelques instants. Détails contextuels. Ah ouais, il y a de l'eau et nourriture, etc. Oh lolo, ça va être assez amusant. Modifier le présentoir. Mais non, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Ok, bon, là, on, évidemment, on a rien à faire, mais... Alors, le feu qui... D'accord, le feu, il était déjà allumé. Bon, très bien. Allez, on va accéder au balcon. Comment on fait? Est-ce que c'est par là? Je doute. Par contre, je peux pas récupérer ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, bah, on va monter. Ah bah voilà, on va monter par là. Bah, c'est parfait. Je suis intelligent, des fois. Ok. Montons. C'est bien mignon. Bon, les animaux empaillés, je sais pas vous, mais ça, c'est juste un truc dont je suis pas fan, hein, clairement. Mais voilà. Forcément. Alors, les jumelles. Si je fais ça, pas du tout. Ah, ça y est, j'ai sorti les jumelles. Ah. Très bien, alors attendez, bougez pas, je fais des tests. Ok. Je pense que je peux zoomer, non? Ah non, par contre, je peux mettre des marqueurs. Ok. Alors attendez. Si vous repérez un animal, activez l'instinct du chasseur pour obtenir bah, toutes les informations qu'on veut. D'accord, ok, très bien. Eh ben, si c'était aussi aussi facile, tout le monde le ferait. D'accord. A bientôt, Echo. Inspectez la carte dans les bureaux pour vous remémorer les environs. Ah, on va aller voir Echo. Je sais plus c'est qui, mais il l'a dit dans l'introduction. Ok. Eh ben écoutez, quand je saurai comment quitter... Voilà, je savais plus comment faire. Comment j'enlève les jumelles? Je ne sais pas. Bon, Ah, j'ai allumé une lampe torche. Comment, je ne sais pas. Ok, on vient de passer à l'arme. Oh. Alors attendez, point zéro. Ok, zoom, on peut zoomer. Oh là 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 là. Et on peut retenir évidemment la respiration, ça c'est le grand classique. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Juste le temps de prendre en main correctement le jeu, ça va me prendre un petit temps d'adaptation, mais ça va le faire. Et puis par là, on a quoi? On peut pas y aller? Si, on peut y aller. Eh ben, on a un balcon d'un autre côté, voilà. C'est un petit peu moins... un peu moins joli, la vue, forcément. Hé hey! Laisse la porte ouverte. Allez, on est parti. Moi, j'ai envie de chasser, là. Évidemment, je pense que c'est pas non plus fait n'importe comment. Ça, ce qui est cool, c'est qu'on va pas tuer à tout va, je pense. Enfin, sauf si on veut le faire, mais bon. Soyons pas méchants. You discovered Nez Perce Valley Grassland Habitat. Open country for beginners and seasoned veterans alike. The meadows serve as prime feeding areas for both pheasants and badgers. Undisturbed grasslands with tall grass have the potential to hold a lot of small but also some bigger game. Ok, d'accord, très bien. Echo, montez dans la voiture. Ok, bon, on va aller rejoindre Echo du coup. Ouais, attendez, on va rouler là? Non, on va rouler. On va rouler, c'est incroyable. J'aimerais juste, par contre, il faut vraiment que je comprenne comment faire pour ranger l'arme. C'est un truc de fou. Alors attends, j'ai trouvé comment faire pour la lumière. Ça, c'est pas mal. Ok. Ah, jumelle. Ah, je pense qu'il faut que j'appuie longtemps. Ok. Ok, c'est bon, d'accord. Non, parce que c'est bien beau, mais se trimballer avec un fusil à la main tout le temps, c'est un peu limite. Donc voilà. Oui, on va conduire, messieurs, dames. On va faire vroom vroom. Donc là, évidemment, c'est le tuto, hein. C'est le début, c'est la découverte. Donc forcément, faut pas s'attendre directement à des trucs de malade. Ok, B pour sortir. Ok. Oula. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, ça va être assez amusant, la maniabilité, mais ça va le faire. Allez, c'est parti. Et on peut changer de caméra. Oh. Oh bien. Oh bien, pas une bonne idée. Pas une bonne idée. On va rester comme ça. Eh, c'est beau, hein. En fait, on se rend pas encore compte, mais c'est vrai que bah, c'est un open world. On va vraiment pouvoir se balader partout, quoi. Et maintenant, c'est à gauche. Ok. Oh lolo. Tu me demandes de ces trucs, frérot. C'est pas indestructible, hein, tu m'as dit, hein.
Ça passe. Ça passe de ouf. Prenez la première à droite vers un parking improvisé. Poursuivez votre chemin à pied. Ah, faut que j'aille à pied là? Eh, t'as cru? Je vais gratter tout ce que je peux. Je vais gratter tout ce que je peux, mon pote. Il est malade, lui. Voilà. Il est là, mon parking improvisé. Alors, ça, c'est instinct du chasseur. Ça, c'est le klaxon. Et ça, c'est pour sortir du véhicule. Ok. On y arrive. Allez, bah écoutez, on va monter. On a en bas à droite, je suis en train de voir l'indicatif. Alors, on peut s'accroupir. On peut sauter. Est-ce qu'on peut se coucher? Ah, bah ça me paraissait évident. Oh, c'est sympa. Par contre, à quoi correspond... Attendez, il y a des bruits bizarres. Il y a des craquements de bois, frère. Hein? Oh, regardez. Instinct du chasseur. Espèce animale. Analyse du bruit. Il y a un loup qui est pas loin. Il y a un cerf aussi, ça c'est pas grave. Mais il y a un loup qui est pas loin. Hein? Alors, dans ce cas-là, maintenant que j'ai compris comment ça marche, j'aimerais bien récupérer une arme. Bon, c'est pas pour autant que je vais réussir à me défendre. Hein. Allez, on y va. On va monter la colline. On va galoper. Bon, je vous le dis, je vais quand même jouer clavier souris, clairement, hein, les gars. Pour tout ce qui va être maniement des armes. Putain, mais il y a des bruits trop bizarres. Il y a du sang, là. C'est pas du sang, c'est tout simplement des feuilles rouges. Ok. Allez, on y va. Putain, pourquoi je stresse alors que c'est super beau? Il y a quand même des drôles de bruits, hein. Il y a des craquements. J'ai jamais entendu ça en forêt, hein, très honnêtement. Bon, bref. Enfin, les craquements, si, bien sûr, mais... Oh, une échelle. Hop. Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'animation. Bien sûr que si, c'est un bon jeu. Ah, c'est bon, ça. Allez, on est solide. On est solide. Hop là. Here you are. Ah, une pierre. Ahoy! What are you? Long time no see, my friend. Ah non. Oh non. Je viens de comprendre. Ok, bon, très bien. Pour utiliser le voyage rapide, oui, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Donc on va pouvoir voyager rapidement. Oh, ah d'accord, c'est un stand de tir en fait. Ok, c'est un stand de tir. Alors là, il nous explique comment viser, etc., etc. C'est pas un problème, moi les gars, je suis un expert. Donc je vous montre juste où on est, voilà. On est juste là, malheureusement, le point d'interrogation, ça devra attendre. Et la voiture, par contre, elle se téléporte pas avec nous, c'est dommage. Enfin non, c'est bien fait, mais ça va nous faire chier. Alors, régler le point zéro de votre carabine. Alors, le point zéro, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, il est à 150 mètres. Ça me paraît pas mal. Toucher une cible dans les organes vitaux. Regardez bien. Bah, j'ai réussi, là. Là, c'est le moment où ça me saoule, la manette. Regardez, je prends la souris, frérot. Voilà, regarde bien. Ah bah, tout de suite, c'est un peu plus précis à la souris, hein. Est-ce que je dois viser peut-être plus bas? Je comprends pas. Bon, on recharge. Ça, c'est pas un problème. Ah, c'est bien la souris aussi, quand même. Hein. Ok. Toucher une cible. Ah, maintenant, je dois faire à 150 mètres. En fait, depuis le début, c'était bon, quoi. Hop, ça, c'est 100 mètres. Là-bas, 150 mètres. Le point zéro, comment je suis censé faire? Là. Oh, yo, yo, yo. 200 mètres, get bien. Oh, je l'ai foiré. Oh, je l'ai foiré. Oh, je me sens bête. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est carré, ça. Lisez la note laissée ici. Ok, il y a une petite note juste là. Bonjour. Hey, Wallace. Don't forget to take care of the badgers wreaking havoc behind the lodge. Sincerely, myself, you forgetful geezer. Yes, on va chasser du blaireau.
C'est bon ça. Oh regardez un blaireau là. Est-ce que j'essaye de l'avoir là? Oh le bâtard. Oh punaise. Oh j'ai cru que je l'avais touché là. Bon c'est pas grave, il fallait essayer hein. Il fallait essayer messieurs dames, c'est pour le beau jeu. Ah, c'est ça ce qui est cool, c'est qu'en vrai on a une liberté. Il ne faut pas être un blaireau, je viens de capter le... Le jeu de mots. Ah ouais, par contre ils vont très très vite hein. Ah! Ah, tu sais plus où aller hein. Eh ben voilà. Vous les entendez les chasseurs du dimanche là qui tirent 20 balles? Eh ben c'est moi. Non attendez, je suis peut-être un peu trop... Regardez celui-là par exemple. C'est une blague. Et ben voilà. Regardez bien. Chez. Oh j'ai touché. Oh je l'ai pas eu. Oh ça c'est horrible. Non ça c'est pas cool pour l'animal. Non c'est pas cool. J'ai plus de balles. Ah c'est pas cool. L'alcool c'est pas cool. On va aller dépecer l'animal j'imagine. Ah non c'est pas cool. Ah non. Trouvez le blaireau, récupérez-le, prélevez-le. Ok. Oh, oh. Ah, on voit où c'est qu'on l'a touché de manière précise. Et je peux la vendre du coup pour 22 pièces. Ah c'est pas mal ça. Eh bien voilà c'est vendu. Ah c'est peut-être un peu dommage. Prélevez un blaireau, servez-vous de l'observatoire. Attends, j'analyse. Ah ça te permet aussi de retrouver la trace je pense. Ok. Mais du coup c'est un peu dommage le système de vente. Parce que du coup il n'y a pas de marché ou quoi. Enfin je veux dire c'est très rapide pour se faire de... Bon c'est bien aussi hein. Mais par contre j'aurais pas dû la vendre apparemment. C'est pas grave au moins je me suis fait de la thune. Oh non c'est une blague. Oh. Oh elle est belle. C'est bon il est mort. Oh elle est belle. Ah, mais oui je lui ai mis deux tirs. Et le deuxième je lui ai fui dans la tête regardez. Le premier dans le corps. Et le deuxième dans la tête. Et là je vais pouvoir acheter un nouveau fusil. Le Remington. Le Remington 783 c'est bon ça. Bah écoutez on va y aller directement. Hop le petit voyage rapide qui fait toujours plaisir. Et on est parti les amis. Pour s'acheter le Remington. Hop. Par ici. Bonjour. J'arrive sur l'ordinateur. Pas du tout, c'est ici. Et je vais dans boutique. Le Remington, il est ici. Bon, c'est dommage que je sois un petit peu obligé parce que j'aurais bien voulu. Bah, de toute façon, c'est bloqué, donc j'ai pas le choix. Je l'achète direct. Hop, j'ai plus de thunes. Ça, c'est fait. Donc du coup, je vais pouvoir la mettre en secondaire, j'imagine. Comme ça, j'ai deux fusils sur moi. Par contre... Ah si, c'est bon. J'ai un viseur. Ça c'est cool que c'est inclus avec, parce que sinon on aurait vraiment l'air con. Est-ce que je peux acheter d'autres trucs, sait-on jamais? Non, tout est verrouillé. Pareil pour les accessoires. Et pareil pour les délimitations, très bien. Ce joujou n'est pas fait pour être tiré à plus de 100 mètres. Ah. Essayez toujours de toucher les organes vitaux pour tuer le plus vite possible et pour entraîner la mort la moins douloureuse possible. Voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment une chasse un peu... Enfin, un peu... Ça reste éthique, évidemment, et bon, certes, de nombreux vont me dire que la chasse, c'est quelque chose d'éthique de manière générale, bien sûr. Mais il n'empêche que forcément, ben, les gens qui connaissent pas la chasse, dont j'en fais partie, on a forcément des a priori, et on a un jugement différent, forcément. Atteignez la prairie en hauteur. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, d'accord, on va aller explorer, découvrir. D'ailleurs, si on regarde la map, j'ai pas fait attention, mais la map, elle est pas petite. La map elle est pas petite, on a l'estuaire ici, bois de coton, donc tous les deux des prairies, et on a des gros trucs qui nous attendent, sachant que quand on zoome, voilà, c'est plutôt pas mal. Et là on a débloqué un observatoire, forcément c'est là où on était. Et ben, et on va passer voir là le... attendez, hop, repère, je me téléporte ici, et on va aller voir le point d'interrogation les amis. Vous savez quoi, sur le chemin, tac, on va aller voir le point d'interrogation, c'est top ça. C'est également un poste d'observation, un poste de chasse, je sais plus comment on appelle ça. Bon, il n'y a pas d'animaux à descendre, j'ai envie de dire tant mieux. Hop, c'est moi qui descends. Oh, c'est trop chou. Allez, petite séquence ASMR. Oh. Hop, petite baignade improvisée. Ok, alors, je vois un observatoire là-bas. Et surtout... I remember when I couldn't tell the difference between a white-tailed deer and a mule deer.
Grandpa used to tease me about it. On arrive dans une zone avec plein d'animaux qu'il va falloir éviter d'effrayer. Alors. Let's see if I haven't forgotten all those hunting lessons from Grandpa. Ouais, bah déjà dans un premier temps, il faudrait que je vois les animaux que je dois pas effrayer. Parce que là, je vois pas d'animaux. Et j'ai qu'une seule envie, c'est courir sur le poste d'observation. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais continuer de courir. Ouais. Je pense que je peux là. Prélever un cerf mulet ou un cerf à queue blanche. Vous avez effrayé les animaux. Mais non, regarde, ils se regarde, c'est encore plus simple pour moi. En fait, ils viennent. Ils viennent sur moi, carrément. Carrément, ils sont teubés. Hop là, à côté. Hop là, dans le cul. Voilà. Toi, normalement... Ah, mais c'est horrible, ça. Hein. Bon, lui, il est... Mais frère, je lui ai mis 4 balles. Il va souffrir, le pauvre, non. Non, mais vous avez vu le nombre de balles que je lui ai mis, là? Non, c'est injuste. Oh non, c'est injuste. Je comprends pas comment il a survécu, en fait, avec toutes les balles que je lui ai mis sans deck. Eh? Non, mais c'est injuste, ils arrêtent pas de courir dans tous les sens alors qu'ils m'ont même pas vu, frère. Ah, là-bas. Ouais, mais c'est pas les animaux que je chasse. Là, regardez. Non, mais c'est abusé. Mais là, avec ce sniper, j'arriverai jamais à le toucher de là. Hein. 250 mètres. Ah ouais. Je veux bien essayer, mais je vais tout foirer. Et ce serait franchement dommage. Bon, lui, il a l'air calme. Donc, je vais pouvoir m'en rapprocher. Alors, en fait, j'ai une question pour les chasseurs, en vrai. J'aimerais savoir, un tir dans la tête... En théorie, un tir dans la tête, c'est instantané, c'est one shot, tu meurs, non? Mais en même temps, c'est pas éthique, on est d'accord. Genre, ça fait souffrir, enfin, c'est un peu dégueulasse, je sais pas ce que vous en pensez. Je connais pas du tout les règles de la chasse. Parce que j'ai bien compris qu'il fallait pas tirer dans la tête. Non, mes frères, ils arrêtent pas de courir, c'est trop, ils me voient même pas. Cerf mulet, il y en a juste là au-dessus. Cerf mulet, ils sont juste au-dessus. Ok, regardez bien, j'ai une idée. Voilà, là je monte, accroupi, sans faire de bruit. Ça devrait être pas mal là. Bah non, ils se sont tous barrés de nouveau. Oh, il y a un truc à analyser là. Blaireau d'Amérique. Repos rarement. Oh, oh mais regardez, il y a des traces de pas partout. Blaireau d'Amérique. Mais non. C'est trop stylé. Bon, du coup, manifestement, je suis pas là où il faut. Il y a des traces de pas, et ça, je reconnais. Voilà, cerf à queue blanche. Enfin, j'ai reconnu que c'était des traces de cerf. Là, je me sens un petit peu frais, je vais pas vous mentir, parce que j'avais tout de suite compris ce que c'était. Ok. Donc là, je suis sur la bonne voie. Analyser. Nourriture. Souvent. Ok, c'est là qu'ils viennent manger les... Ok. Donc en fait, j'aurais juste à attendre. Et ils viendraient peut-être. Bon bah écoutez, vous savez quoi, je suis pris d'un élan de... Et non pas l'élan. Excellent. Je suis pris d'un élan de curiosité d'aller voir là-bas. Ce pont. Oh, les cerfs, ils sont là-bas. Guette. Attends. Attendez. Mais ils se sont barrés. Effrayés, bah ouais, frère. Je suis à 200 mètres d'eux. Ils ont réussi à me capter. Attendez. Attendez, les gars. Bouge plus. Oh, ne bouge plus, frérot. Eh? Est-ce que ce ne serait pas... Un cerf mulet à 170 mètres. Allez, pitié que personne me crame. Le but, c'est que je sois à au moins à moins de 100 mètres. C'est de la merde. Franchement, c'est super sympa. Moi, là, ça me fait un peu péter un câble.
parce que je suis nul. Mais en fait, concrètement, ceux qui aiment la chasse, je pense, ou qui aiment bien faire du sniper de manière générale, tu te mets dans un coin, là où ils ont de la nourriture, t'as juste à te coucher, frérot. Tu te couches et tu attends. Et tu snipes. Et je pense que ceux qui kiffent faire ça, plutôt que le faire sur Call of, venez le faire sur le jeu là. Non, franchement, ultra sympa le jeu. Si je pouvais réussir mon coup, ce serait génial. Mec, genre, j'en ai effrayé un alors qu'on me voit même pas. On m'entend même pas. Yes, let's go. J'ai retrouvé mon véhicule. J'ai trouvé la technique. Là, c'est le moment où je décompresse. Je me laisse aller, frérot. Les cerfs n'ont qu'à bien se tenir. Parce que là, je vais avoir du mal. Hein. Oh, y'a moyen. Oh, let's go! Let's go! Oh non, c'est abusé. Ah, voilà. Classement de chasse gâché. Difficulté. Voilà, classement de trophée gâché. C'est-à-dire que du coup, on peut rien en faire. J'ai pas de caméra de balle, j'ai pas de chasse ou de trophée. Par contre, je peux évidemment le vendre. Mais du coup... En fait... Ah si, c'est bon, j'ai réussi le défi du coup. Ok. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout éthique, hein, évidemment. Et par conséquent, t'es pas récompensé, quoi. Commande des restaurants. Le ranch de l'ours dirigé par votre grand-père. Ah, notre grand-père, il dirige un restaurant. Et il fournit de la viande de gibier chassée de manière éthique, pas comme ce que je viens de faire. Mais votre grand-père étant hospitalisé, c'est vous qui allez devoir tout gérer en son absence. Vous recevrez les commandes des restaurants au fil de votre progression dans le scénario. Vous pouvez y accéder via la messagerie du jeu pour chaque commande. D'accord, et ce sera inspecté par les autorités sanitaires, etc. Voilà, il faut juste prélever, tout se fait automatiquement, ce qui est pas plus mal en soi. Mais du coup, c'est vraiment très simplifié. Mais c'est une très bonne chose. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Acceptez la nouvelle commande du restaurant sur l'ordinateur de votre grand-père. Et bah écoutez, on va s'en arrêter là, les amis, pour cette vidéo. On va faire le test, là. On va faire le test. On a un petit peu exploré la carte. Je viens de créer un pays. Hop, on va faire un petit voyage rapide au ranch. Et du coup, par contre, je vais pas me lasser de cette vue non plus. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Là, du coup, hop, on va dans l'ordinateur et on va pouvoir voir Linway. Bonjour Wallace, j'espère que cet email te parviendra. C'est le moment de l'année où Cheng va ajouter de nouvelles touches farfelues à notre menu. Cette année, il veut s'en prendre à notre recette de poulet. Il existe différentes crises de la cinquantaine après tout, j'imagine que c'est celle de mon mari. Nous allons améliorer notre poulet du général Tso, mais avec de la viande de faisan. N'hésite pas à revenir nous voir si tu veux qu'on te serve ta fondue du Sichuan préférée. J'ai toujours ta bouteille de chouchou, elle t'attend ici. Très bien! Donc là, l'idée c'est de chasser du faisan. Très sympa franchement. Très content d'avoir pu découvrir ce jeu. Et encore une fois, je remercie vraiment THQ Nordic pour leur confiance et leur gentillesse. Parce que du coup, j'ai pu vraiment jouer au jeu avant sa sortie. Et ça, c'est vraiment que du bonheur. Et en plus de ça, je peux vous proposer ce gameplay avant même que le jeu sorte. Donc ça, c'est juste vraiment, vraiment phénoménal. Donc vraiment un grand merci à eux. Et un grand merci à vous les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bah, faites-le moi savoir en commentaire. Les petits pouces bleus. Répondre évidemment à mes petites questions là, si vous êtes des chasseurs ou si vous vous y connaissez. Et puis bien sûr, si vous voulez revoir des vidéos sur le jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Évidemment, avec grand plaisir, je ferai en fonction de la demande. Voilà, c'est la courbe de l'offre et la demande. Hein. C'est un petit peu comme le faisan que je vais aller chasser. Voilà, plein de bisous les amis, à très vite. Ciao tout le monde.